Bonjour à tous, bienvenue sur Lisieux TV pour votre premier bulletin d'information. 1700 élèves de maternelle et primaire ont pris ce matin le chemin de l'école. Une rentrée scolaire 2014 pas comme les autres, puisque c'est la première année pour les établissements scolaires de Lisieux que s'applique la réforme des rythmes scolaires. La ville avait en effet demandé une dérogation pour appliquer la réforme seulement en septembre 2014. Même si cette réforme est appliquée, la grogne persiste. La section syndicale a organisé ce matin à 10h un piquet de grève devant l'école Caroline Duchemin pour se mobiliser contre la loi sur les rythmes scolaires. Commentaire de Baptiste Larald, porte-parole de la section syndicale Sud CT Lisieux. C'est face à l'entêtement donc du gouvernement sur la réforme des rythmes scolaires, dite de la loi Hamon de 2013. Nous avons donc décidé ce jour, puisque à Lisieux c'est l'année de la mise en place de cette réforme, pour symboliquement marquer notre opposition à cette réforme, qui pour nous est une réforme bâclée, inégale, complètement injuste. Elle va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, alors que normalement c'était une réforme qui devait jouer principalement sur l'intérêt de l'enfant. On s'aperçoit aussi à côté que tout le personnel, que ce soit enseignant et pour nous agents des collectivités territoriales, que voilà, on est aussi les variables d'ajustement de cette mauvaise réforme. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, devant donc l'école maternelle de Caroline Duchemin, pour justement symboliquement marquer notre opposition à cette réforme. Hier soir, c'était également la rentrée pour le conseil municipal. 16 conseillers communautaires ont été élus. Explication du maire Bernard Aubryl. Bien, c'était un conseil municipal supplémentaire, exceptionnel si l'on veut, parce qu'il s'agissait de deux points à l'ordre du jour. Le premier, d'installer la nouvelle conseillère municipale Martine Neuhassir, qui remplace donc Bruno Ruffray. Et puis le deuxième point qui était le plus important, c'était donc la désignation de 16 nouveaux conseillers communautaires pour s'ajouter aux 15 qui sont déjà en place et faire les 31 conformes au code général des collectivités territoriales. Donc il s'agit d'un scrutin de liste, à la proportionnelle, avec la parité, c'est-à-dire par alternance homme-femme ou femme-homme, et à la plus forte moyenne. La liste majoritaire proposait 14 noms, elle ne pouvait pas en déposer 16 pour la simple et bonne raison que nous avons 25 conseillers municipaux. Si on enlève les 11 qui sont déjà au conseil communautaire, il en reste 14. La liste de Patrick Buot pouvait déposer une liste de 3, puisqu'ils sont déjà 3 et qu'ils sont 6 au conseil municipal, 6 moins 3, ils pouvaient en déposer 3. Et la liste de M. Sodini pouvait en déposer 2, puisqu'ils sont 3 au conseil municipal et qu'il y en a déjà un au conseil communautaire. Donc 12 conseillers de la liste de la majorité ont été élus, plus 2 de la liste de trois de la liste de M. Buot, 12 et 3, 15, et un de la liste de M. Sodini, c'est-à-dire M. Jambu, ce qui fait 16. Samedi dernier, la ville de Lisieux a fêté les 70 ans de sa libération avec un spectacle son et lumière. L'événement ponctué de chorégraphies aériennes et de feux d'artifice a ravi les Lexoviens ainsi que les touristes. J'ai trouvé très très bien, très beau, bien structuré. J'ai trouvé ça très très beau, très beau et très émouvant. Très émouvant parce que nous on n'est pas d'ici, on n'est pas de Lisieux, et se rendre compte tous ces gens qui sont, toutes ces maisons, tous ces gens qui sont morts. Moi je suis du sud-ouest et vous avez été très durement touchés dans la région et c'est émouvant. On a été secoués. Voilà. C'est bien, la ville de Lisieux a fait quelque chose de bien et elle a travaillé à la mémoire de ces gens qui ont tout perdu. C'est moche. Il ne faut plus de guerre. Il n'en faut plus. Le centre aquatique de Lisieux, le Nautil, effectue des travaux d'entretien et de révision de ses bassins. La piscine est fermée jusqu'au 12 septembre. Pour finir, quelques rendez-vous de la semaine. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Je vous dis à bientôt pour une prochaine édition.